Pour la journée nationale de sécurité routière au passage à niveau, SNCF Réseau et ses partenaires se sont mobilisés pour une action de sensibilisation et de prévention. Le 13 octobre dernier, ils se sont retrouvés au passage à niveau de Pain-Justarré. Cette opération consiste à sensibiliser les usagers de la route et les usagers piétons, puisque là on est en centre-ville, au risque au passage à niveau. On leur appelle le bon sens, qui est de s'arrêter dès que le feu rouge commence à clignoter, et bien sûr de ne pas franchir des barrières fermées. Ne risquez pas votre vie au passage à niveau, respectez le code de la route, c'est le message de la nouvelle campagne co-signée avec la sécurité routière. SNCF Réseau Midi-Pyrénées proposait une animation insolite pour faire patienter les usagers de la route en faisant appel à des kinésithérapeutes pour offrir un massage aux automobilistes arrêtés au passage à niveau. Les bénévoles, eux, étaient là pour distribuer des dépliants rappelant les règles de sécurité à respecter. C'est pas désagréable, si on pouvait avoir un massage à chaque fois qu'on s'arrête à un feu rouge, ça serait bien. Non, c'est une très bonne initiative en tous les cas de sensibiliser les gens à la sécurité près des passages à niveau, c'est très bien, ouais. Je suis un petit peu étonnée puisque je pensais que tout le monde respectait les feux et tout le monde s'arrêtait. 98% des accidents sont dus au non-respect du code de la route. Aux abords du passage à niveau, il faut réduire sa vitesse, s'arrêter lorsque le feu rouge clignote et ne pas s'engager si les barrières sont abaissées. Les piétons sont eux aussi appelés à la prudence aux abords des passages à niveau. Depuis que nous avons l'arrivée du lycée, il est important que les jeunes se déplacent. Et c'est vrai qu'ils se déplacent avec leurs écouteurs, leurs tablettes et qu'ils ne font pas très attention. Donc il faut vraiment les sensibiliser à tout ce qui est sécurité, passage à niveau. Chaque jour, plus de 11 000 véhicules croisent une cinquantaine de trains au passage à niveau de Pain-Justarré, situé dans la commune, non loin de la halte. Par rapport à ce passage à niveau-là, on a déjà fait des choses en matière de sécurité, puisque vous pouvez apercevoir des îlots centraux de part et d'autre, ainsi qu'un feu central à diode qui renforce la visibilité du passage à niveau. Néanmoins, compte tenu de l'incidentologie qui est quand même assez importante ici, puisqu'on a eu dans les 10 dernières années 11 bris de barrière et 2 collisions, dont une mortelle, ce passage à niveau rentre dans la liste de nos passages à niveau prioritaires. Au total, sur le territoire de Midi-Pyrénées, 14 passages à niveau ont été identifiés prioritaires par le Programme national de sécurisation et feront l'objet d'une étude de suppression.